Allez, un événement historique. On finira avec ça probablement aujourd'hui. Un événement historique euh, qui ont fait les 150 ans de la Commune de Paris en mars. Euh, la Commune de Paris est un élément assez majeur dans l'histoire de France, mais aussi l'histoire euh, mondiale, d'une certaine façon. Et on va voir pourquoi. Si vous ne connaissez pas la Commune de Paris, eh bien, vous allez découvrir ça. Tout de suite. Attention, attention, je vais vous lire les choses et vous allez bien sûr écrire les mots qui manquent. 18 mars 1871. Les Parisiens, essentiellement ouvriers, artisans et profession libérale, se soulèvent contre le gouvernement d'Adolphe Thiers. Le gouvernement quitte Paris pour Versailles. 18 mars 1871. Les parisiens, essentiellement ouvriers, artisans et professions libérales, se soulèvent contre le gouvernement d'Adolphe Thiers. Le gouvernement quitte Paris pour Versailles, écrivez les mots qui manquent s'il vous plaît. Ici, nous sommes à la recherche, comme d'habitude. Ah non, pas comme d'habitude, de quatre choses Oui, parce qu'il y avait beaucoup de textes. La première chose, c'est un adverbe. Essentiellement. Waouh, ça va être long E-S-S-E-N-T-I-E-L-L-E-M-E-N-T. Souvenez-vous, hein, l'idée de la construction, c'est l'adjectif masculin essentiel. Vous le mettez au féminin essentiel. L-L-E. Et vous rajoutez le ment essentiellement. Vous avez ce qu'on qu appelle un adverbe de manière. Ensuite, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est libéral. C'est intéressant ici parce que libéral, cet adjectif, est directement lié au mot profession. Profession, vous voyez que c'est féminin et vous voyez que c'est pluriel. Donc, votre adjectif libéral, doit être lié à ça, c'est-à-dire féminin, pluriel, L-I-B-E, accent aigu, si vous l'avez sur votre clavier, R-A-L-E-S. Ensuite, c'est contre. Bon, ça, c'est en général pas problématique, je regarde. Non, vous l'avez bien écrit, C-O-N-T-R-E, ça, c'est bien. Et puis finalement, le verbe quitter, verbe régulier du premier groupe, troisième personne du singulier, le gouvernement. Le gouvernement. Ça, c'est toujours intéressant. Ça représente une notion plurielle, mais grammaticalement, c'est quand même singulier. Troisième personne du singulier, il, quitte. Q, U, I, T, T, E. Première partie ou premier épisode de la commune de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement, mais en tout cas, c'est un événement assez important. 28 mars 1871. Proclamation du Conseil de la Commune, surnommée Commune de Paris, à qui le Comité central de la Garde nationale remet ses pouvoirs. 28 mars 1871. Proclamation du Conseil de la Commune. Surnommée Commune de Paris, à qui le comité central de la garde nationale remet ses pouvoirs. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, nous sommes encore à la recherche de quatre mots. La première chose, c'est un substantif proclamation. Vous l'écrivez P-R-O-C-L-A-M-A-T-I-O-N et c'est féminin. Une proclamation. Ensuite, surnommé. Un surnommé ici, ce sera au masculin puisque ça fait référence au conseil. Conseil, c'est masculin donc surnommé doit être au masculin. S-U-R-N-O-M-M-E. Accent aigu. Euh, national, national, c'est un adjectif. L'adjectif doit être bien sûr connecté à garde. Garde, c'est féminin, donc national doit être au féminin. N a t i o n a l, -L. Et puis la, la dernière chose, c'est le verbe remettre. Verbe du troisième groupe. Ici, vous le conjuguez à la troisième personne du singulier. Remet. R-E-M-E-T. Voilà. Allez, on continue avec euh, la troisième chose concernant la Commune de Paris. 16 mai 1871. Démolition de la colonne Vendôme. Considéré comme symbole du despotisme impérial. 16 mai 1871. Démolition de la colonne Vendôme. Considéré comme symbole du despotisme impérial. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors Anne nous rejoint. Bonjour Anne vie comment ça va Allez, on y va avec les quatre mots qui manquaient. La première chose, regardez. Démolition, démolition, eh bien c'est un substantif qui est encore une fois féminin, puisqu'il se termine en I-O-N. Vous l'écrivez D-E, accent aigu, M-O-L-I-T-I-O-N. Le deuxième mot que nous cherchions, eh bien c'était considéré. Considérer doit être au féminin parce qu'il est Connecté directement à colonne. La colonne, c'est féminin et donc considéré doit être au féminin. C-O-N-S-I-D-E accent aigu, R-E accent aigu, E. Ensuite, symbole et masculin. Un symbole, c'est un substantif. N'oubliez pas que c'est avec un Y. S-Y-M-B-O-L-E. Et la dernière chose, c'est le despotisme. Et le despotisme, on l'écrit avec un S. D-E-S-P-O-T-I-S-M-E. -E. Le despotisme. Allez, on continue avec la quatrième chose concernant, euh, concernant la commune de Paris. Du 21 au 28 mai 1871. La semaine sanglante met fin à la commune de Paris. Procès, exécution et déportation des prisonniers communards. Du 21 au 28 mai 1871, la semaine sanglante met fin à la commune de Paris procès, exécution et déportation des prisonniers communards. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Allez, regardons ensemble les quatre mots. La première chose est eh bien c'était sanglant. Ici ça doit être au féminin puisque vous le voyez que c'est connecté directement à semaine. Semaine c'est féminin, donc sanglante doit être au féminin S A N G L A N T E sanglante. Ensuite, c'est un substantif et c'est masculin. Le procès. Vous allez l'écrire P R O C E Accent grave, S. Ensuite, exécution, bah, féminin comme d'habitude pour tous les mots en ion. Vous l'écrivez E, X, E, accent aigu, C, U, T, I, O, N, S, qui doit être ici effectivement au pluriel. Et la dernière chose, c'est déportation, encore une fois, un mot féminin, mais qui doit être au pluriel ici, D, E, accent aigu, P, O, R, T, A, T, I, O, N, S. Voilà. Euh, si vous ne connaissiez pas cet événement historique euh, français, <laughs> eh bien, ça vous explique l'origine des termes que vous connaissiez peut-être, je ne sais pas, le, 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 les termes de communard et de communisme arrivent directement de cet événement historique de la commune de... Paris. Si vous avez la possibilité, si vous avez accès à la chaîne Arte sur internet, sur votre télévision ou autrement, regardez ce documentaire euh, qui s'appelle Les D'années de la Commune. C'est un documentaire qui est assez long mais qui est vraiment très joli à regarder esthétiquement c'est vraiment vraiment très très joli et vraiment très très intéressant vous découvrirez beaucoup de choses sur et eh bien la commune qui clairement a été historiquement relativement euh, important voilà Alors regardez, regardez. Alors Victoria c'était amusant parce que Victoria ne savait pas si c'était politiquement correct. <laughs> <laughs> d'avoir euh, eh un verre de champagne ou un verre, euh, euh, je ne sais pas, est-ce est, est que c'est du, du 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 mousseux peut-être, du, du du vin blanc, je ne sais pas. En tout cas, euh, oui, il n'y a pas de problème. Oh, ben écoutez, le, le, le cours n'est pas euh, officiellement, ce n'est pas un cours pour les enfants. Hein. Nous sommes des adultes, nous nous respectons tous. On a le droit de boire du vin si on veut. Si on ne veut pas boire de vin, on n'en boit pas. Pas de problème, tout le monde doit être heureux et se respecter. <laughs> Bonjour monsieur le prof, 14 félicitations et merci <laughs> à tous les amis. Voilà, à vous, Victoria Possé, regardez, elle vous envoie... Un petit bisou. Et ça, c'est très sympathique. Victoria Possé vous envoie un petit bisou. Et on la remercie. On dit merci à Victoria parce que c'est très, très gentil. Merci beaucoup, Victoria, euh, Victoria Possé. Et ma question est la suivante. Est-ce que dans votre pays, hors contexte Covid, parce que bien sûr, le Covid a totalement modifié les choses, mais. Avant le Covid, traditionnellement, est-ce que vous, vous faites la bise facilement ou pas C'est très culturel cette histoire de bise et je ne sais pas, est-ce que dans votre pays on fait la bise ou est-ce qu'on ne fait pas la bise Comment est-ce qu'on se salue Comment est-ce qu'on se dit bonjour Si on fait la bise, combien de bises on fait Allez-y, une petite minute pour me répondre. Excusez-moi. Je dois dire merci à Francis, Francis euh, Pacheco, qui m'offre généreusement un café. Aujourd'hui, je ne bois pas de café puisque c'est un jour spécial, mais merci Francis, je suis un gros buveur de café et je vous remercie. Alors, Tsering qui dit je vous écris pour vous remercier. Bah écoutez, ça, ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci à vous de me faire confiance en tout cas. Alors, vous, Slade qui nous dit oui, on fait la bise. Très facilement et on fait bim! Deux bises. Yesero qui nous dit on ne fait pas la bise aux États-Unis. Amira, Amira qui nous dit oui, on fait des bises, presque deux ou quatre, surtout entre les femmes. D'accord? Fiona qui nous dit pas facile. Non, mais en général pas. Bien sûr, le contexte du, du, du Covid c'est un petit peu compliqué. Luciana qui dit oui. Avant la Covid, on faisait la bise facilement, d'accord Annabelle qui dit ⁇ Deux bisous, poum, sur les joues, bien sûr Albuga qui dit ⁇ Belle photo Victoria <laughs> M qui nous dit ⁇ J'adore faire les bisous <laughs> Oh là là Oui, mais pour dire bonjour, est-ce que, est que vous faites des bisous C'est ça la question. Euh, Omar qui nous dit ⁇ En Colombie, on fait la bise avec les amis proches, seulement... Un, en fait, ça c'est intéressant euh, dit Oka qui dit salut, bonjour, bonjour, participez n'oubliez pas de cliquer euh, Renato qui dit ça dépend euh, d'être ami ou connu, oui, Yann qui dit oui, c'est tous les jours, Adriana qui dit en Colombie, c'est très commun de faire la bise seulement hop, une seule fois euh, Cosmina qui dit oui, nous sommes des latins avec du sang chaud alors, hors contexte Covid, ben bien sûr. Nous faisons la bise très facilement, ça fait partie de la culture locale. Eh bien oui, mais Cosmina, combien Combien Parce que ça, c'est toujours intéressant. Yulia, on ne... Ah, on se prend plutôt dans les bras. Mais c'est avec les amis qu'on n'a pas vu euh, longtemps. Depuis longtemps, oui. La bise est plus populaire entre les jeunes filles. Victoria Thomas qui nous dit, sur la joue... Trois fois. Mais souvent en Moldavie, on ne fait pas la bise comme en France. D'accord Sophia X, au Québec, on fait la bise très facilement. On fait des bisous trois fois. Ah, trois, pim, pim et pim. D'accord. Toujours intéressant de savoir où vous commencez. On peut faire des, des questions. On peut trouver des questions sur la, la bise. Euh, Cheryline, qui dit combien de bises en Australie Zéro. Comme ça, on salue du bonjour ou comme ça maintenant. Euh, M qui nous dit en Inde si tu fais des bisous, tu vas être en prison. Waouh, ok. Ah, bah alors, donc dans ce cas-là, pas de bisous en Inde. Et voilà, on respecte les règles. Hein. Victoria qui dit, en Espagne, on s'embrasse facilement. Mais maintenant, eh ben oui, les gens gardent leur distance. Euh, Victoria Jacques, absolument non. Mais ça peut être parce que je serais peut-être heureuse de sortir. <laughs> ah oui, oui, ah, c'est oui. ah, oui, ça. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. aussi, on s'embrasse, euh, mais on s'embrasse, mais sans bisous. On fait quelque chose comme des bisous. Ah, donc, donc du, du, on s'embrasse à distance, c'est-à-dire qu'on n'est on ne, on pas en contact, d'accord. Sundar, non, parce que les personnes sont conservateurs, d'accord. Et Kouvanicht, oui. Dans mon pays, on fait la bise fréquemment, quand nous nous rencontrons, quand nous rencontrons quelqu'un que nous connaissons. On imagine. Brainwash. En fait, dans notre pays, ce n'est pas un bon moyen pour saluer avec la bise. Si la personne est très proche, on peut le faire, mais avec d'autres gens, on salue avec la main. Donc, on va serrer la main ou on prend dans les bras. Euh, Albouga, on ne fait jamais la bise parce qu'on est américain. <laughs> ah ben voilà, personne n'est parfait. <laughs> Renato, je vais travailler. Au revoir Renato, à bientôt. Denora, normalement, pas de bisous aux États-Unis, mais en Europe, la plupart du temps, juste une bise. Euh, alors, dit, est-ce qu'il y a un pays où on fait la bise sur le nez pour saluer Je ne sais pas. En français, on appelle ça des, des bisous d'esquimaux. Les bisous d'esquimaux, c'est les bisous avec le nez. Et les bisous avec les, les cils, c'est les bisous de papillons. Les bisous de papillons, j'aime bien en faire à mes enfants. Ça, c'est toujours amusant. Ça fait sourire. Yansou qui dit bonjour, bonjour. Euh, Olga, euh, maintenant ne fais pas la bise. Bah ben oui, bien sûr. Euh, Cosmina, combien D'habitude, deux. D'accord, pour chaque joue. Paf, paf. Alors regardez, regardez. Je posais la question sur le nombre de bises. Parce qu'en France, il existe une carte des bises. Bien sûr, maintenant, le contexte est spécial. Mais. De façon générale, vous voyez qu'ici, il y a des régions où on va faire une bise, pas beaucoup, <laughs> deux bises, un peu plus, trois bises <laughs> ou quatre bises. Et moi, je viens des Pays de la Loire et dans notre région, on fait quatre bises. On est très généreux. Une, deux, trois. 4. Et vous parlez en même temps, c'est toujours très amusant. Voilà, faites attention parce que c'est toujours, c'est toujours intéressant. Quand vous commencez à faire des bises avec les Français, même les Français avec d'autres Français, on ne sait jamais. Si les personnes viennent d'une autre région, on ne sait jamais combien de bises on doit faire. Moi, direct 4. Je suis généreux. Alors voilà, la politesse et les bonnes manières. Eh oui, nous allons finir le stock. Nous allons finir le stock. Nous nous rapprochons petit à petit de la fin. Je le fais parce que je sais que Stardust, c'est sa rubrique préféré, c'est la rubrique qu'elle préfère. <laughs> elle est comme ça, youpi c'est la politesse, c'est les bonnes manières. et je vous rappelle que c'est l'occasion, c'est l'occasion de faire quand même un exercice de dicter et de découvrir des choses qui sont des choses de l'ordre de la civilisation. allez, on commence avec le premier, première chose euh, concernant la politesse et les bonnes manières. L'homme doit entrer en premier dans un lieu public. L'homme doit entrer en premier dans un lieu public. Allez, écrivez-moi la phrase, s'il vous plaît, merci. Alors, je regarde, je regarde, regardons, voilà. L'homme doit entrer, donc ici doit, c'est le verbe devoir, le verbe devoir que vous conjuguez au présent et à la troisième personne du singulier, D, O, I, T. Il doit, elle doit, on doit. Entrer, infinitif, bien sûr, E, N, T, R, E, R. Premier, bon bah écoutez, là c'est clair. Hein. Et puis public, euh, comme d'habitude, P-L-U-B-L-I-C. Hein. On a beaucoup parlé de public. Euh, public, c'est le mot préféré de Ice Cubes. On le sait. Je n'ai pas regardé si Ice Cubes. Oui Ice Cubes Oui <laughs> Ice Cubes elle a bien écrit public. Ah, eh oui. Voilà. Les petits plaisirs simples du professeur quand ils voient qu'effectivement eh ben, les étudiants se souviennent bravo ice cubes ice cubes ça la bien écrit public bravo oui <laughs> il faut mettre des petits personnages qui sourient c'est formidable euh, voilà donc oui traditionnellement alors après euh, c'est discutable hein, mais traditionnellement si il y a euh, un homme et une femme qui vont par exemple au restaurant grand classique hein, au restaurant Normalement, la politesse veut que l'homme entre avant la femme. Hein, ça Mais bon, tout est négociable, bien sûr. Numéro 2. Allez, numéro 2, on y va. Attention, attention. Les assiettes ne doivent pas être trop proches du bord de la table. Eh oui. Les assiettes ne doivent pas... Être trop proche du bord de la table. Allez-y! I like Olga. The <laughs> en man public <laughs> I strongly disagree. <laughs> no, Olga, the idea is to 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 it's the, the concept. The concept is that the man will go, will enter in a place just if there is a danger. So he will protect uh, uh, the lady. I mean, this is the way it was before. That's the reason. Like we had for the stairs, he goes first. Uh, just if she falls, then he's there to protect. This is the concept of this polite nesting. Alors, je n'avais pas vu euh, apparemment qu'est-ce qu qu'elle a fait. Euh, Julia, elle a dit du bord de la mer. <laughs> On parle de la table. On parle de la table! <laughs> Les assiettes, donc on doit le mettre euh, au pluriel ici. N'oublions pas qu'assiette, c'est un mot féminin, une assiette. Bon, ici c'est au pluriel. On l'écrit A, S, S, I, T, T, E, S. Le verbe devoir doit être bien sûr à la troisième personne du pluriel doivent. D-O-I-V-E-N-T. Ensuite, proche, ben vous devrez le mettre là, bien sûr, au pluriel, puisque c'est un adjectif qui est là, relié à assiette. Proche, P-R-O-C-H-E-S. Proche. Et puis du bord, le bord c'est masculin, B-O-R-D, et la table c'est féminin, euh, T-A-B-L-E. John, euh, les femmes sont-elles si fragiles Ah ben non, mais elles. <laughs> John, les règles de politesse existent depuis très 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 longtemps, c'est pour ça. <laughs> c est, c est, on ne parle pas de, de, de la réalité actuelle, on parle de règles qui existent depuis des siècles, c'est pour ça. Troisième chose, troisième chose, allons-y. Si on vous dit bon appétit, veuillez simplement répondre à vous aussi. Si on vous dit bon appétit, veuillez simplement répondre à vous aussi. Écrivez-moi la phrase, s'il vous plaît. Allez, regardons la phrase, donc bon, ça commence assez normalement, vous l'avez bien écrit, si on vous dit, le verbe, c'est le verbe dire, qui est conjugué à la troisième personne du singulier, d i -t. Bon appétit, et eh bien on l'écrit comme ça, alors faites attention, hein. appétit, c'est...